j'ai un mental, je sais que je vais pas tilt, et de ton côté, je suis pas sûr que ça soit le cas. En fait, c'est... pour moi, Smash, avant d'être une guerre de boutons, je suis pas un joueur exé, c'est une guerre de mental. Oui, puis pour le coup, j'ai déjà joué contre toi, c'est très frustrant de t'affronter. Je me doute. Vraiment. Je me doute. Je suis un joueur neutral, je fais rien, je touche. Ok, donc ça a démarré. C'est Firoth. Ouais, par souci, manifestement. Sur PS2, hein, map classique, tu vers l'eau. En vrai, la map m'a l'air assez neutre. La map est assez neutre, même si pour le coup, j'ai tendance à penser que c'est peut-être un peu mieux pour Peach, dans le sens où Sephiroth va peut-être un peu plus se faire chier à remonter sur le terrain s'il est à gauche. Parce que tu vois, le putain de ledge de PS2 là, je le hais, ce ledge. Tu fais acheter un pineapple. Voilà, tu peux te faire pineapple, et quand t'es Sephiroth, mine de rien, c'est pas si difficile de se faire pineapple. En vrai, ce qui peut gêner Sephiroth, c'est les navets. Oh, par contre, on a un navet qui tape fort, mais on n'a pas réussi à l'utiliser, malheureusement. C'est le navet clin d'œil, je pense au nom. Ouais, non, effectivement. Premier stock pris de la part de Sarasa. Il s'est envolax. C'est envolax, très bien. Il s'est envolax, un maximumax. Pineapple, c'est pas pineapple. C'est le fait de se coincer, en fait. Le ledge de PS2, du coup, il est un peu vers le haut. Et en fait, il y a un genre de carré, on va dire, niveau hitbox en dessous du stage. Se faire des pineapple, simplement se coincer dans ce coin de carré avec Tariko. Et ça arrive beaucoup plus souvent que vous le pensez quand on fait pas gaffe. Du coup, c'est un des trucs qui est très frustrant avec la map. Après, ça dépend des Rico aussi, mais typiquement, c'est quelque chose qui arrive beaucoup, notamment au Rico téléportation, qui peut poser problème. C'est quelque chose qui peut poser problème au Rico très vertical. Même les Rico à Seb, généralement aussi. Alors, oui. J'allais le noter, mais effectivement, mon petit Pikachu là, qui mettra jamais les pieds sur PS2, c'est mon premier ban, toujours. Et, par contre, ça se rend compte beaucoup, hein, là. Ouais, non, pour le coup, c'est très even. Sarasa qui joue un excellent ledge trap. Ok, d'accord. C'était un peu bizarre, mais c'est passé. Il a tenté. Et pour l'instant, on prend un mini lead, hein, peut-être mido. Mais il faut faire gaffe, hein, parce que je rappelle que Peach est quand même assez léger. Ce Firoth, c'est léger aussi. Mais ça tape aussi très très fort, notamment le backer. Tellement fort, mais il a mis 69% en genre 20 secondes. Ah, mais il est. Je crois même pas qu'il a fait un combo de son. Pas particulièrement, il a juste mis des straight hits, mais vraiment c'est. 81% quoi. En vrai de vrai, genre on parle de damage input de beaucoup de persos, mais Peach. Mon dieu. Et là, on a du mal. Okay. En vrai, si on aurait setup le navet, je pense que ça aurait pu toucher. Et là, on va trouver ce kill. 89%, on a l'aile. Très important. L'aile rend Sephiroth absolument broken niveau mobilité. Un truc qui manque pas mal au perso. Oui. Oui, absolument. Si Sarasa l'utilise à bon escient, il ne saurait tarder de rattraper rapidement cette game, on va trouver. 7 punish en couverture d'options. Attention, le backer qui ne tuera pas. Je dois d'ailleurs noter, tant qu'elle est là, le fait que l'aile de Sephiroth est la couleur du drapeau non binaire et c'est un mode qui a été fait par Sarasa. J'ai pu comprendre, effectivement. Ouais. Et voilà, on va trouver. Ah non, mais ça ne tuera pas. C'est bien dit. Le flash était même un peu. Bizarre. Voilà, on s'est connu du coup à ce coin que j'ai parlé, qui est donc le coin où tu te pineapple souvent. Tu vois, c'est pour se venger de ce genre de navet qu'il y a des gens qui deviennent végétariens. C'est vrai. Ouais. C'est genre pour le bouffer. C'est ça, pour le manger spécifiquement. Bon, du coup, on part sur un 1-0 pour Mido. Pour l'instant, je vais changer les scores. Vas-y. On a vu quand même vu que Sarasa pouvait se débrouiller. On a vu que Sarasa avait des outils, savait plier des trucs. Avait... Oui, c'est vrai. Cependant, on est le perso quoi. Ouais, ça manque en fait. Je pense de sur le moment, on chope les infos. Je pense que là c'est un match plus info. Parce qu'on a vu quand même qu'il y a des couvertures d'options. Ouais, donc je suis d'accord. Bah après c'est des joueurs plus confirmés déjà. C'est genre déjà au match. Hein. Non, à savoir comment ça va gérer tout ça pour essayer de choper cette game 2. C'est une référence à quoi ce skill? Il y en a forcément une, je l'ai pas. Ok. Ok, bah c'est juste une couleur stylée. Ouais. Pour le coup, effectivement, c'est un skin qui est très bon. Moi, je te sens pas un skin de base. Oui. Un skin de base, c'est parfois ignoble. Bah, ceux de Sephiroth sont. Enfin, ils ont un peu le même problème que ceux de Pac-Man, à savoir que vite fait, tu les différencies quoi. Comme ceux de Cloud, en fait. Non, ouais, j'étais en train d'y penser. Ok. Pour le coup, on est reparti sur PS2, donc manifestement, c'était pas la faute de la map. J'ai tendance à être d'accord avec ça. Moi, il y a clairement des choses à faire à un niveau match-up. Et pour l'instant, gros avantage de Mido. Oh, Steve. Bon, on va rien. Le sushi sera pas trouvé. On va réussir à mettre en ledge trap, mais
Oh, dommage. Le grab, il me fait toucher. Qu'est-ce qu'il fait rater le grab? Il a spot dodge? C'est quoi? Il a spot dodge pour faire rater le grab ou j'ai pas très compris. Je suis pas sûr d'avoir bien vu, c'est possible qu'il ait spot dodge, je t'avoue que j'ai pas retenu l'information. Par contre, ce que je suis en train de retenir, c'est que pour une raison ou une autre, même si j'ai l'impression que Sarasa maîtrise plus ou moins le rythme de la game depuis tout à l'heure, c'est quand même Mido qui met des dégâts. C'est que Mido. Tu vois? Le problème, c'est que Mido, dès qu'il te met une touche, il met un combo, regarde, ouais, c'est le genre de combo avec les... Il fait ni pour être pressé. Il a mis 3 downer. Oui, il a mis 36. Putain. Dommage, il a mis un downer, ouais. T'avais même pas le droit de punir. C'était interdiction. Voilà, c'est. C'est un peu les problèmes hein, pour Sarasa. Mais on peut rattraper, je rappelle, Sephiroth qui peut de fou. On va trouver ce F-Tilt. Il utilise bien plus le F-Tilt qu'Anto. C'est là qu'on... Il utilise beaucoup plus le F-Tilt, effectivement. C'est là qu'on voit que du coup, il y a quand même une meilleure maîtrise du perso. Alors après, il y a un gros problème dans le gameplay de Sarasa sur Sephiroth, mais ça a toujours été son utilisation du Down Smash. Il y en a trop. Non, je comprends, le coup est trop marrant. Je comprends, genre le coup est fun, tu vois, mais... Là, enfin voilà, il y a des tentatives de read avec les attaques smash, on tente de faire quelque chose, mais là on a quand même pas comme ça que ça marche quoi. Quand même un lead de stock assez conséquent de la part de Mido. Mm. Et que la plupart des persos, bah, en fait, on peut tenter de fermer le jeu en jouant un peu plus safe. Je pense que c'est ce que va chercher un peu plus Mido. Il veut clairement se bagarre, ouais. J'ai rien dit. En tout cas, on sait qu'on peut rapidement finir la game à un combo qui pourrait mettre un backer qui mettrait offstage, et possiblement on peut trouver un fer. Et on va trouver cette dernière. Ouais, mais là pour le coup, vraiment du côté de Sarasa, va falloir arrêter de bourrer les options, va falloir trouver une solution. Rap. Ouais, normalement, sérieux. Si on get up qui sera mauvaise. Bah écoute, notre get up point pour un flash, c'était. Mido était. Dommage. Dommage. Mido était dans sa tête. Était clairement dans sa place. Et... Écoute, c'était dans cette relativement.